En attendant, je relance la VOD et on se retrouve du coup dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous de City of Gangster. On va se lancer du coup suite au bug de la partie sur un petit reboot sur Philadelphie pour profiter vraiment des nouveautés du DLC. On aura donc un capitaine de base en se lançant. Il va donc falloir qu'on essaye d'être rentable assez vite. Et là, et ben, du coup, j'ai proposé au chat de me filer leur date de naissance, s'ils le souhaitent bien sûr. Pour avoir une petite seed, sinon je mettrais celle de la chaîne par exemple. Je crois que je m'en souviens à peu près. Ah, c'est Flo qui remporte la mise. La dernière fois c'était Squash. Oh, faut pas avoir honte, hein. Orfeo. Pourquoi je suis comme ça? Je suis en QWERTY. Je suis en mage, putain. Pardon. La dernière seed qu'on avait eu, c'était Squash Belge, qui est également assez âgé, qui est même à la retraite, pour tout dire. Donc, alors, on a droit à quoi? Américain, anglais, canadien. Est-ce qu'on peut mettre des seeds sur les personnages? Non, pas vraiment. Mais vous êtes tous jeunes, il n'y a pas de souci, ne stressez pas. Ah, un petit écossais, tiens, un petit écossais, c'est cool ça. Alors, est-ce qu'on fait une femme, est-ce qu'on fait un homme? Ah, on va rester sur une femme, tiens. Un Irlandais, tu veux? Allez, on va faire une Irlandaise. Est-ce qu'on a Irlandais? Oui, on a Irlandais. On va faire une Irlandaise. Ben voilà, le clan Campbell, canton, c'est proposé par le jeu. Comme quoi. Est-ce qu'on l'appelle Annie Campbell ou vous avez une autre idée? Le clan s'appellera Pour la Binouze. On peut l'appeler Whiskey si on veut. Non, ce sera son surnom, ce sera son surnom de la rue, Whiskey. Un nom irlandais un peu sympa. Annie, c'était pas mal, hein. Bien Annie. Sinon, on peut l'appeler Shobity Campbell. Alors, faiblesse, alors bon, c'est toujours un peu gênant parce qu'on sait que c'est déjà compliqué le combat. Aléatoire. Alors, bagarre de rue, je suis pas super fan. J'aime bien Beau Bâtiment. Et défense de territoire, j'aime bien aussi. Ça c'est pas mal ça. Grossir vite, c'est quand même vraiment cool. Alors, on va pas y mettre de chapeau. On va y mettre un petit tailleur comme ça. Ah, je suis désolé Flo, hein, je peux plus mettre Pam maintenant parce que Shobity a entendu, donc là pour le coup. Allez, c'est parti pour une petite génération de Philadelphie. Peut-être, Canton. J'ai pas fait gaffe. Ah, dommage, j'ai cliqué sur lancer du coup, désolé. Bon, on a des grosses zones mortes là. Une ville, une vraie, à Philadelphie. Ok, on commence tout au nord avec le clan Campbell. Très bien. Et on a un capitaine cette fois. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Les trois ponts sont pas judicieusement posés. Ah, c'est vrai que les ponts, ils peuvent paraître un peu bizarres des fois. Mais bon, ça nous permet de nous étendre, donc on va pas s'en plaindre. C'est vrai que ces deux-là,
qui amène à la petite maison là. C'est pas rentable, je pense, pour la ville. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc du coup, on a eu quoi comme trait? Nerveux, agressif et vigilant. Ah, c'est cool, on va pouvoir racketter des gens plus facilement. Par contre, ouais, on est nerveux, donc on va éviter les flics plus facilement, c'est pas mal. Et en plus, on est vigilant. Ouais, franchement, très bon tirage de trait. J'aime beaucoup. Notre capitaine, c'est Warren Collins, il est américain. Il est curieux et décontracté. Ah bah c'est cool, donc lui faut qu'on l'envoie explorer quoi en gros. Meilleur bonus de relation quand il découvre un commerce et en plus il est agréable à discuter. Il a 2 en bagarre à tout va, il est capitaine de rang 1. Parfait. Désolé de ne pas prendre ton téléphone quand tu fais la ceinture, ouais, faut pas t'excuser, Canton, hein, t'es pas obligé de regarder en permanence le live. Hein. Donc lui, je pense qu'on va en faire un mec qui explore. C'était pour faire repérage. Ouais. Repérage, il ferait quoi? Les recrues du repérage conduisent 50% plus loin à chaque tour et peuvent agrandir votre territoire facilement sur de nouvelles zones. Cool. Et nous, du coup, bah, on est aussi quelqu'un de plutôt efficace, mais je pense qu'on va s'occuper du coup des livraisons, enfin de faire fonctionner notre commerce pour commencer. Je crois qu'on n'avait pas de commerce pour commencer. Alors, faisons un petit point sur la situation initiale. Donc, notre oncle, Anthony Good, il produit du jus de pomme. C'est bien. Très bonne idée. Et on peut fabriquer du cidre, j'imagine, ouais, parfait, avec du jus de pomme et des pots engrais tous les 5 tours, et lui il nous fournit 10 tous les 5 tours, ok, donc on pourra pas non plus augmenter de fou notre production. On peut pas faire de moonshine, on peut pas faire de bière, on peut pas faire de brandy, ni de vin, on est obligé de faire du cidre, ok. Pas de soucis, ça nous coûte 800, on a déjà le bois. Il va donc falloir qu'on aille vendre un peu. On a du cidre, de la bière et du vin en brique à vendre. 30 balles. Pourquoi pas. On va en mettre un petit peu plus pour tenir. Parce que là, celui-là, il nous coûte vraiment 20. Et toi, tu fais quoi dans ta vie? Qu'est-ce que t'as de beau dans ta voiture? Rien, même pas une arme. Écoute, tu vas prendre du cidre et tu vas être présenté aux gens du cru. Pendant que nous, on essaye de négocier un petit peu... Oh la vache, cette grande rue de l'enfer. On va peut-être aller explorer le haut de la map du coup. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ici, on a éventuellement quelqu'un qui serait intéressé. Alors là, ils nous vendent des battes de baseball, pourquoi pas. Et on pourrait refourguer de l'alcool à son ami Aileen. C'est parti. Est-ce que c'est du cidre de Normandie? Bah c'est du cidre, on va pas se mentir hein. Une bonne réserve de jus de pomme, on peut faire fonctionner les petites fabriques de cidre. On ajoute de la levure et on attend quelques semaines pour avoir du cidre. Autant dire que on n'est pas sur du grand cru quoi. Hein. Je sais pas si t'arriverais à vendre ça à tes clients, Flo. Tu m'envoies relativement peu convaincu. Bon, on va pouvoir aller faire un tour là du coup, voir si on pourrait pas lui vendre un peu de cidre, parfait. C'est pile poil ce qu'il faut. Elle nous aime bien. Alors une exclusivité, non. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ça non plus, je commence à fatiguer. Je voudrais parler argent, voilà. Hop, ok, toujours ça de prix. Et sinon, il y a cette personne ici qui pourrait nous aider. Toi, tu fais pas grand chose de ta vie pour l'instant. Et ça, c'est à ce coin-là.
Ok. Toc. Ton ami Virginia. Ouh, elle est loin, Virginia. On va envoyer notre... notre collègue. Et après, ce sera ici. C'est parti. Il ne reste plus de points d'action, donc on a fait le tour. Donc toi, tu vas aller faire un tour par là-bas, avec ton cidre. On a découvert une pomme. Parfait. En avant. Ah, un truc de canette. Il y a certainement moyen de faire des choses, là. Du brandy et du vin. Ah merde, c'est pas ce qu'il nous faut. Hop, on va explorer. Oh bah ici on a une faveur directe, tiens, c'est marrant. Tant mieux, hein, mais... c'est assez rare. C'est quelqu'un qu'on connaît? C'est un Irlandais. Ah, c'est un Irlandais. Pour ça, comme nous. En plus on est aimable. Donc ça aide. Bon, on va explorer cette rue au prochain tour. Et toi ma chère, ici. Hélène. Parfait. Qu'est-ce que t'achètes Hélène? Du vin en briques et de la bière. Ah. C'est pas ouf. On va pas se mentir. Mais on en a à vendre, donc on va aller le chercher quand même. Donc on pose notre cidre. On prend la bière et le vin en brique. Et on liquide tout ça. On va essayer de prendre les 20% à chaque fois qu'on peut. 55 pots tu prends. Pouah. Ce serait rentable. Alors on peut pas parler argent parce que on a déjà négocié de l'argent. Ok, on a 830 balles, c'est pas si mal. Faudrait qu'on arrive à liquider le cidre qui nous reste avec quelqu'un. Mais on n'a plus personne de capable de gérer. Ok. Donc on va devoir explorer. À l'ancienne, j'ai envie de dire. Toi, on a dit que t'as eu un bonus de trucs, mais t'as pas eu de bonus en fait. Allez, on explore. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Super. C'est la teuf, quoi. Toi, rien du tout. Ça, c'est un truc qui vendra, qui achètera rien. Où il pleut. Fruit and Co. Des pommes et des pots en grès. Ouais. Ah. C'est cool toutes ces faveurs. On est vraiment dans un quartier irlandais là. Ton ami Lizzie. C'est parti. Ah, et on a fait la connaissance de la bande de Burka. Ah putain, c'est dans une zone, ouais, effectivement. Elle voudra jamais nous acheter quoi que ce soit celle-là. Dommage, 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 dommage. C'est peut-être une partie qui va se terminer un petit peu plus tôt que prévu du coup. On va quand même aller explorer un petit peu. On a découvert la banque de O'Donnell. Qui est intéressée en business, donc ça va. Elle nous a quand même mis une fessée. Ah non, c'est Burke qui nous attaque. C'est pas gentil. C'est pas très 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 gentil tout ça. Moi je trouve que ces gens sont agressifs. Ça va être difficile d'avoir 1000 si on peut pas vendre nos ressources avec le mec qui gagne 20 balles, qui nous coûte 20 balles à chaque tour. Hein. Honnêtement, je suis pas hyper positif. Il était où celui qui nous achetait du cidre là? Perdu. Tout là-bas.
Le problème c'est que elle me déteste. Donc négocier avec elle ça va être compliqué quoi. Celle-là pour le coup, autant l'autre, voilà. Elle aura peut-être moyen, surtout qu'elle est irlandaise. Mais elle cache, elle m'a détesté quoi. Partir de là, c'est compliqué. C'est franchement compliqué. On va quand même retourner chercher notre cidre. Il nous en reste un petit peu, puis on va aller le vendre. On a dit que c'était là. Bon, au pire après on le paye pas, hein, c'est une possibilité aussi. Hein. 9 pots, on a 928. Ouais, on va ne pas le payer, hein, et puis voilà, hein, c'est un petit peu salaud, mais bon, faut ce qu'il faut. Il a même pas d'armes, donc ça sert à rien de l'envoyer au casse-pipe. Ah, ici il y a des trucs à découvrir. Ah oui, mais elle bosse pas. C'est ben dommage. On peut explorer du coup. Ouais. Il faudra qu'on aille récupérer sa binouze. Viens là. Normalement on peut échanger, non? Je sais plus comment on fait pour échanger quand ils sont sur la même case. Il y avait un truc je crois pour ça, hein, si tu te souviens, Kenton, à tout hasard, mais je me souviens plus comment on fait. On va se retrouver au bâtiment, c'est pas grave. Hop, dépose ton cidre. Toi, prends le cidre. On va essayer d'aller en revendre un petit peu là. Peut-être faire une petite quête. Alors, on arrive dans ce pays, ils interdisent l'alcool. On était chez nous, on pourrait boire autant qu'on veut. D'ailleurs, chez nous, on pourrait fabriquer autant de gnôle qu'on veut. Fabriquer, vous dites? Peut-être que accepteriez-vous de m'apprendre à fabriquer de la gnôle, entre compatriotes. On va s'entraider. 5 coins de rue, pourquoi pas. C'est vrai qu'il va falloir qu'on le fasse assez vite ça aussi. Est-ce que tu me rachèterais un petit peu de cidre? 3 pots, allez. Oh, on est à 971, la tristesse. Ouais, on est obligé de les passer par un lieu de stockage, hein, j'avais un doute, mais... C'est bien ce qui me semblait. Bon, du coup... Ça me coûterait combien? 72 balles de faire ça, et il me reste 36 cidres, ça passerait. Hop. On va commencer à essayer de ramasser petit à petit des sous en s'étendant. Lui, on va l'envoyer par là-bas pour explorer cette case. Alors, qui c'est qui a pris de l'XP? C'est toi. Hop là, un petit point de déplacement de plus. Bordel, hein. Je trouve rien quoi. Bon, on a exploré toute cette zone, on va pousser jusque là. Au moins, on peut explorer... Ah mais oui, t'as raison, ça se trouve, j'ai assez, mais j'étais resté sur 1000, mais c'est peut-être moins pour le cidre. Attends, je vérifie. Ah, c'est 800. Oh là là, mais on peut se lancer. Go! Machine. Rentre au bercail. La police de Philadelphie, elle nous poursuit. Hein, si elle nous arrête maintenant, hein, et qu'elle nous prend tout notre blé, la loose absolue. Hop! Bon, on va tout mettre parce que comme ça on va pouvoir payer l'autre un petit peu. On va démarrer la fabrique de cidre. C'est parti. Alors il va nous falloir des pots en grès, donc on va quand même prendre un petit peu de blé. Voilà.
pour se fournir en pot en grès. Bien vu, Kenton, je sais pas pourquoi je t'ai resté sur 1000. On va essayer d'aller vendre un peu, faire des affaires. Est-ce qu'on a déjà un endroit où on peut acheter des pots en grès? Ah, ici il y a de la fourniture. En avant. Alors est-ce que je peux en prendre? Ah non, je suis 100% plein avec mon cidre. Ça c'est dommage. Ouais, on n'est pas passé loin de se faire arrêter là. On a arrêté à une case, ça aurait pu être tendu quoi. Et du coup on peut pas aller vendre du cidre puisqu'il y a le mec qui est là pour nous emmerder. C'est pareil, niveau étendre le territoire, ça va être chaud hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit. Peut-être ici, il pourra choper... Non, il pourra même pas choper ce coin, il pourra choper ce coin-là. Ce coin-là pour avoir un truc à raqueter, ça c'est trop loin. Ici ce serait rentable, mais... Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, ce début de partie encore. Très cool, mais très compliqué. Alors bon... En attendant, vu qu'on ne peut pas vendre, on va déposer ça. Et on va aller papoter avec ces gens. Parlons du prix. J'ai une remise. Bim, je prends tout. Hop. On va se faire une petite réserve. Parlons du prix. Hop. Je prends tout ce que je peux. Voilà. On pourrait se soigner aussi, ça pourrait être une bonne idée. C'est 40 pots en grès qu'il faut, hein, ça va être chaud, hein, même avec ces deux-là. Hop là, on a plus une thune. Mais on devrait être capable de générer au moins un petit peu de trucs. Au moins une production quand ça sera fait. Ici on va se soigner vite teuf. Et toi, bah tu continues d'explorer. Il y a un bâtiment ici. Il va falloir qu'on lui qu'on le repaye à un moment. Alors là oui, il nous propose un nouveau truc du coup. On va en reparler. L'une de vos recrues a une sacrée notoriété. Alors, c'est notre explorateur, donc on va l'appeler Magellan. C'est classe. Warren Magellan Collins. J'aime ce nom. Hé, tonton. Vous fabriquez du cidre? Mais oui, complètement. Parfait, on pourra vendre du cidre là-bas. Mais que demander de plus? Ok, la bande de Burke n'est plus mécontente contre nous. Nickel, on va aller vendre le cidre qu'on a en stock. À l'autre là. On va pas explorer les autres bâtiments, on va les laisser à Magellan. Mais tu vends pas du tout du cidre. On m'a arnaqué! Ils vendent des pots de grès en fait. Alors en plus là où il y a les flics quoi. Bah ouais bien sûr. Bien sûr qu'il veut pas. Allez. Bon, on commence à y avoir quelques petits trucs à découvrir. Le départ est très bien. Le départ est un petit peu tendu. Honnêtement. Heureusement qu'on peut se permettre de pas payer le mec et qu'il se barre pas. Mais, bah, enfin. En espérant qu'il se barre pas parce que. On n'est pas à l'abri, hein. Alors. Ah, mais il nous vend pas de cidre, c'est ouf, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il nous propose des ressources, quoi. Absolument pas ce qu'il faut. Bah, on va retourner vendre là, hein. J'ai que 3,80 donc je peux pas soudoyer grand monde malheureusement pour l'instant.
Là, c'est un petit peu la dé. J'aimerais bien déjà essayer de être capable de payer. On a zéro. J'aimerais bien être capable de payer déjà notre, notre homme de main pour qu'il fasse son taf. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant pendant quelques tours au moins. Mais c'est quand même pas simple quoi. On va aller explorer là. On va retourner ici. Et prochain tour, on le paye et on va pouvoir faire des trucs. On va regarder un peu les quêtes aussi. Un emprunt. Ah non, je peux pas me permettre ça pour l'instant malheureusement. C'est trop cher comme quête. J'ai remarqué que le quartier vous faisait des secrets. On a des filtres haut de gamme qui pourraient vraiment vous être utiles pour fabriquer de Niol. Deux battes de baseball et 500 balles. Et ils iront discuter après la fermeture. Bah ouais, pourquoi pas. Ça me paraît tout à fait une bonne idée. Donc l'autre, il faut qu'on l'envoie là. Avec un peu de bol, Beach Dragon Co, il nous achètera des trucs. On verra. On verra si on doit dépenser notre faveur ici, mais il y a peut-être moyen de moyenner. T'as de nouveau une quête, toi? Ah non, c'est toujours la même. Pardon. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres quêtes disponibles. Par contre, ici, il pourra nous apprendre une compétence. On va y faire un tour. Qu'est-ce que tu nous apprends? La production de brandy. Cash, quoi! Bah ouais. Des barils en acier et du fruit. Oh ouais. Ah bah c'est très bon, ça. C'est pas tout de suite, mais c'est très très bon. Allez, on va passer le tour pour commencer à payer... les pots cassés. On va augmenter ses points de déplacement puisque c'est notre explorateur. Ah, ça c'est à l'autre coin de rue. Hop là. On peut acheter des barils en acier. Pourquoi pas. Et toi, t'es un réparateur. Donc la priorité c'est d'aller là où il y a le flic. Quel enfer. La priorité c'est d'aller là. C'est pas ça qui va m'aider. Je suis désolé de te le dire, jeu. Bon, nous, on va aller faire un tour. On va retourner vendre de l'alcool. Hein. Il faut de toute façon. Deux pots. Ouais. Est-ce qu'on peut s'agrandir? On peut s'agrandir ici. 8, sachant que lui on l'extraira 10, ça reste rentable. C'est pas ouf, hein, mais ça reste rentable. Alors, toi t'es intéressé par le business. Lui il pourrait nous introduire. Ça pourrait être pas mal. On va essayer. Si on pouvait avoir assez tôt quelqu'un de business qui nous intéresse. Ah non, la bande de Burke, ça m'intéresse pas la bande de Burke. Quelqu'un d'autre. Alors qui d'autre? Philippe Burke. Ouais, Philippe Burke, il y a de bonnes chances qu'il nous parle de la bande de Burke du coup. Sinon il y a James O'Carroll ici, Ellen Doyle. 9 points de faveur on a déjà avec elle. Force du vendre de l'alcool. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il nous propose. Ça c'est bon ça. Quelqu'un qui vendra des matériaux de construction ou des récipients. Ok. 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 C'est cool. On n'a plus rien comme point. Toi... t'attends là, c'est parti. Parfait, on a terminé la construction. On va pouvoir commencer à faire quelques trucs et gagner un petit peu d'argent. Un petit peu. Ici, j'arrive pas à cliquer. Hop.
pouvez trouver de la bibine bien raide. 5 cidres. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ça me plaît bien ça. Et toi, tu me vendrais du bois. Ok, c'est bon à savoir. On va pouvoir lui amener du cidre. Hein. Du coup, on va faire ça. Hop. La bande de Holdonel, parfait. Voilà. Alors, Canton, après, je sais plus quand on a commencé à bien s'entendre avec eux. Il me semble que régulièrement ils nous disent eux-mêmes « Tiens, j'ai quelque chose à te proposer, etc. » On va vendre quelques pots pour faire des sous. Encore 136 balles au market, ça va. On va aller donner de l'argent ici. De l'argent, non, du cidre. Les 5 pots de cidre, on améliore nos relations. Et maintenant... on peut lui vendre du cidre, ça c'est bon ça. On va vendre. Et on négocie. Et on vend. Bon, cette peau c'est pas ouf, mais mine de rien, petit à petit, on arrive à faire de l'argent. C'est pas facile, mais ça avance. Alors la bande de beurre qu'on s'en fout un peu. On pourrait améliorer nos relations avec les flics pour pouvoir les soudoyer, mais c'est 250 je crois minimum. Donc on est un petit peu juste. Pour l'instant, rien d'intéressant. Là, on a commencé à explorer un peu tout. C'est vachement vide hein, comme bled. On va pas se mentir. La bande de Lilin, elle est là. Elle nous aime pas. Attends, elle va nous mettre un jeton. La petite cocaïne. Est-ce que t'as éventuellement des liens avec genre elle, ouais. On pourrait essayer d'améliorer nos relations. Fait coco. Ah, on a plus de points d'action, tant pis. Ben, c'est pas grave. Qui c'est qui nous a tapé dessus là? C'est la bande de Lynn. Ouais, j'ai cru que c'était elle qui nous avait tapé dessus. Bah du coup on va augmenter notre efficacité en combat pour la peine. En plus on n'a même pas été capable de lui foutre un coup quoi. Je reviendrai. Ouais voilà hein, Shubiti Campbell, un petit peu fragile hein, c'est comme ça. C'est la vie. Toi, tu nous vendrais des bouteilles, mais t'es harcelé, donc t'es pas contente. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est terrible ces gens qui nous aiment pas quand même. Hein. Voilà, ça se vend tellement pas. Toi, tu nous fabriques du cidre dans quelques tours. On va faire des stocks de grès. On est plein à 82%. On va en prendre ici. On n'a plus d'action. Donc on va les déposer. Parce que ça coûte pas d'action de déposer. Du coup c'est tout à fait rentable, on va aussi mettre un petit peu de sous. Ici on pourrait acheter des battes de baseball, ça coûte combien des battes de baseball? Oh, les 1000 c'est vraiment pas possible. Ok on va soigner, c'est bon.
ici a besoin de sous, mais on a réussi à faire des trucs. Toi, pendant que la copine elle se soigne, tu vas essayer d'aller récupérer un petit peu de thunes ici, là. Ce sera un honneur de vous aider. Mais non, tu nous aimes bien. Tu nous aimes bien. Je le sais que tu nous aimes bien. Donc il faudra lui amener des sous, mais l'autre va s'en occuper. C'est vrai que ce serait pas mal qu'on lui achète une arme à lui aussi, hein. Donc là on est en train de se soigner, donc on a absolument pas ce qu'il faut malheureusement. On a une batte de baseball là, hein, de base, donc si on en achète une deuxième, le vrai problème c'est les 500 balles en fait. Alors toi t'es prêt à agrandir le territoire, mais par contre agrandir où quoi? On va aller faire un tour là. Oh y'a rien quoi, c'est ouf. C'est la déprime totale. C'est tout vide. Tu vas nous... 5, c'est trop cher 5. Fais-nous une petite remise, voilà, 4 la batte de baseball. Même se permettre d'en acheter une en rab. Voilà, on lui fait 2 battes de baseball et après faut qu'on arrive à se faire 500 balles. Ça va pas être facile. On n'a pas de chance hein, sur nos petits départs, mais bon, mine de rien, on a déjà 3 coins de quartier. Ce qui est pas si mal. C'est pas si mal pour un début d'épisode où on a galéré à commencer. On assure petit à petit nos revenus. Ça aussi, ça fait plaisir. Et on va arrêter du coup l'épisode de VOD Lang. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez faire un petit au revoir à la VOD dans le chat, faites-vous plaisir. Et ben moi du coup je vous dis à très vite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si le jeu vous plaît, si vous voulez en voir plus. Si vous êtes intéressé par le DLC, il y a les liens en description pour soutenir un petit peu la chaîne. N'oubliez pas qu'il est en promo hein, pour l'instant, dans les quelques jours après la sortie, donc c'est l'occasion d'en profiter. Bon même de toute façon même pas en promo, il est franchement pas cher, donc c'est plutôt cool. Et dans tous les cas, je vous dis, et ben, à plus tout le monde, ciao ciao!